Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Asseyez-vous en soukhasana, les pieds sous vos genoux. Retirez vos fessiers loin vers l'arrière, vers l'extérieur. De façon à être assis sur vos ischions. Et étirez votre buste avec vos deux bras. Étirez bien le buste avec vos deux bras, très très long, un bon étirement, descendez les coudes et rapprochez les deux mains. Nous allons faire le haut trois fois avant d'ouvrir la séance. Laissez vos yeux se fermer naturellement. Observez votre expiration. Tu relèves bien le haut du buste, la nuque et la tête. Étire tes deux bras. Avec tes deux bras, étire ton buste en entier. Les deux côtés de ton buste. Avec le bras gauche, étire le côté gauche. Avec le bras droit, étire le côté droit. Nous allons tourner à droite. Expire et descends à droite. Presse avec ta main à l'arrière, attrape ton genou droit et tourne à droite. On est en miroir, hein, vous êtes en miroir face à moi. Donc, allez-y, amenez la poitrine vers la droite. Pressez bien avec votre main sur le sol et tournez. Regardez en face de vous, à l'horizontale. Expirez, encore tournez. Doucement, tout doucement, revenez au centre. Étirez vos deux bras. Allez, encore. Étirez les deux bras et surtout le côté droit maintenant. Et descendez à gauche. Attrape ton genou gauche, presse avec ta main gauche et tourne. Expire et tourne. Tourne à gauche. Inspire, expire et tourne à gauche. Doucement, reviens au centre. Change le croisement de tes deux jambes. Presse avec tes bords externes de pied. Étire tes deux côtés du buste avec tes deux bras et viens poser tes mains et glisse vers l'avant. Expire, glisse vers l'avant. Laisse, hein, avec ta main droite, étire le côté droit. Avec la main gauche, étire le côté gauche. Encore une fois. Étire le côté droit, étire le côté gauche et reviens. Change. Deux pieds bien sous les genoux. Inspire, montez de bras, étire les deux côtés du buste et expire encore une fois. Avec la main droite, étire le côté droit. Avec la main gauche, étire le côté gauche et reviens. Place à dos, on place Vanasana. Place tes mains, une fois que tu as un genou, place tes mains bien ouvertes. Hein. Recourbe tes orteils. Et monte dans la posture du chien tête en bas. Plie tes deux jambes. Expire, laisse descendre la tête. Et doucement, tends tes jambes. Relâche bien la nuque et la tête. Encore une fois. Plie tes deux jambes. Presse avec tes mains sur le tapis. Laisse descendre ta nuque et ta tête. Et expire, monte tes arrières de cuisses. Et descends tes pieds
au sol. Allez, une dernière fois. Presse avec tes mains. Presse avec tes boules d'orteils, plie les deux jambes. Laisse descendre ta nuque et ta tête. Et on expire. Tends tes jambes et laisse descendre la nuque et la tête. Puis ensuite, avec tes mains, tu vas marcher. Laisse hein, s'étirer le buste. Étire le buste et expire, croise les bras et elle descend. Encore une fois, inspire, regarde vers l'avant, change au croisement des bras et expire, descend vers le sol. Encore une fois, expire, étire le buste vers l'avant. Change encore le croisement des bras et laisse descendre la nuque et la tête. Inspire et remonte. Relâche. Bien, nous allons faire des postures debout, mais un peu en dynamique. Hein, un peu ou un peu beaucoup en dynamique. Vous partez de Tadasana. Laisse les bras hein, descendre. Et puis, inspire, monte tes deux bras. Urdhvastasana. Tends tes deux jambes en remontant les rotules vers les quadriceps. Regarde à l'horizontale et tire tes deux bras. Encore, reviens. Roule tes épaules vers l'arrière. Presse bien avec tes deux pieds sur le tapis. Ouvre tes mains et inspire Urdhvastasana. Étire bien tes deux bras. Et tes deux bras vont étirer tes deux côtés du buste. Reviens. Nous allons faire trois fois. Deuxième, troisième. Inspire. Étire les deux côtés du buste avec tes deux bras. Et reste, reste. Maintenant, presse avec tes pieds, rends ton coccyx vers ton pubis. Fais monter aussi le pubis vers le sternum. Et reviens. Roule tes épaules vers l'arrière. Inspire, expire. Écarte tes deux pieds. Écarte tes deux bras. Rends ton pied gauche à l'intérieur, toute ta jambe droite à droite. Nous allons faire Uttita Trikonasana, mais en dynamique. Hein, en dynamique. C'est-à-dire, on va descendre deux fois à droite, puis ensuite rester la troisième fois en posture. Alors, garde tes jambes très très fermes, tes rotules sont bien remontées. Pense à rentrer ta fesse droite. Expire et descends. Ajuste tes pieds si tu as besoin. Inspire, reviens. Expire, descend. Inspire, reviens. Expire, allonge le côté droit. Attrape ta cheville, Uttita Trikonasana. Pour l'instant, regarde à l'horizontale. Et si la nuque va bien, c'est-à-dire que tu vas étirer ta tête hein, loin de ton coccyx, ton sommet de tête loin de coccyx, le bras supérieur bien étiré. Le bras inférieur également bien étiré et regarde le pouce de la main levée. Et respire. Pense hein, à l'étirement de tes jambes, c'est-à-dire que tes rotules remontent vers tes quadriceps et tes bras sont très étirés parce que tu rends tes pointes de coude. Inspire et reviens. Change de côté. Prends ton pied droit. Déplace ta jambe gauche vers la gauche. Rentre, hein, rentre ta fesse gauche vers le pubis gauche. Et ensuite, même chose. Je tire, je descends. Je reste le regard à l'horizontale. Deuxième fois, j'allonge le côté gauche. Uttita Trikonasana. Inspire, expire, allonge bien ton côté gauche. Et ensuite, reste en posture. Reste en posture, regarde à l'horizontale. Pousse le sommet de tête loin de ton coccyx et regarde le pouce main de la main levée. Respire. La posture du triangle et respire. Reste. Maintenant, presse le bord extérieur de ton pied droit et remonte les deux pieds et Tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière. Respire. Inspire, montez deux bras. Urdhvastasana dans Tadasana. Presse les pieds au sol. Remonte tes rotules, tes quadriceps. Expire, descend.
Roule bien tes épaules vers l'arrière. Inspire, monte. Expire. Encore. Inspire, monte. Urdhvastasana. Reste. Maintenant, hein, étire les deux côtés de ton buste. Décolle ta cage thoracique de ton abdomen. N'emmène pas tes épaules. Tends bien tes bras en rentrant tes coudes également. Et reviens. Inspire, expire. Uttita Parshvakonasana. Allez, rentre ton pied gauche, toute ta jambe droite à droite. Tu as plié ta jambe droite. Reviens. Allez, encore une fois. Expire et descends. Une fois, plie ta jambe droite. Allonge le côté droit. Place ton bras supérieur. Encore une fois, tu vas rester. Expire, allonge ton côté droit et place ton bras supérieur. Pour l'instant, regarde à l'horizontale. Dégage hein, ce bras supérieur de ton visage. Et regarde le dessous du bras. Posture du grand étirement. Reste dans la posture. Main au sol. Bras supérieur bien étiré. Et reviens. Reviens les deux pieds parallèles. Rentre le pied droit. Dégage toute ta jambe gauche vers la gauche. Replace ton buste au-dessus de ton bassin. Et expire, plie ta jambe gauche, place ta main au sol, place ton bras supérieur. Inspire, reviens. Expire, plie ta jambe, main au sol, bras placés. Uttita Parshvakonasana. Reviens. Maintenant, tu vas rester dans la posture. Plie ta jambe gauche, allonge le côté gauche, place ta main au sol. Place le bras supérieur. Et puis en expirant, regarde le dessous du bras. Respire. Tends bien cette jambe droite. Tends ta jambe droite, presse le bord extérieur de ton pied droit et reviens. Écarte tes deux pieds et Tadasana. Observe le souffle. Posture du guerrier 2. Hein, Virabhadrasana 2. Inspire et expire. Écarte tes deux pieds. Uttita Hastapadasana, c'est cette posture. Rentre ton pied gauche à l'intérieur. Déplace ta jambe droite à droite. Hein, tu sais qu'on a l'alignement, c'est le pied. Le pied avant, mon pied droit, coupe le milieu de pied arrière. Et puis doucement, plie ta jambe droite. Reviens. Encore une fois, expire, plie ta jambe droite. Ajuste en même temps. Hein, ajuste ton écart pour avoir ta cuisse droite parallèle au sol. Reviens. On va rester dans la posture du guerrier 2. Dégage bien tes épaules, les bras sont très étirés. Plie ta jambe droite. Et maintenant, en rentrant ton fessier droit, tourne la tête. Regarde au-dessus de ta main droite. Et étire le bras gauche vers la gauche pour ouvrir le sternum. Observe le souffle, détends bien le visage, la gorge, et reviens. Change de côté. Si tu es fatigué dans ces enchaînements, tu peux toujours, entre deux, hein, entre le passage de droite à gauche, mettre tes mains sur tes hanches. Ok? Si tu es en forme, si tu as envie d'étirer tes bras, alors tends les deux bras. Allez, la posture du guerrier 2. Expire, plie la jambe gauche. Étire toujours le côté droit vers la droite. Expire, deux fois. Maintenant, troisième fois, tu plies ta jambe gauche.
Tu tires le bras droit vers la droite pour ouvrir le sternum et tranquillement tu regardes au-dessus de ta main gauche. Posture de guerrier 2. Détends bien la gorge. Observe le souffle. Inspire, tends cette jambe gauche, regarde à l'horizontale, place tes deux pieds et ta bassine. Observe le souffle, roule tes épaules vers l'arrière, reprends ton souffle. Inspire, monte tes deux bras, redresse ta salle. Décolle bien la cage thoracique de ton abdomen, étire bien tes bras. Pense à rentrer tes pointes de coude. Pense à rentrer tes rotules, à les remonter vers les quadriceps. Tu vas avoir une Urdhvastasana, Antadasana très très étirée. Très très étirée. Et reviens. Tadasana. On va faire posture du guerrier 1. Inspire, expire. Place tes deux pieds parallèles entre eux. Tu vas tourner tous tes bras vers le plafond, y compris tes paumes de main, et monter tes bras. Étire bien, sors. Enlève ta cage thoracique de ton abdomen, de ton ventre, bien étirer les deux bras. Et puis rentre ton pied gauche vers l'intérieur, déplace ta jambe droite vers la droite. Et puis expire. Plie ta jambe droite. Amène ton buste vers l'avant, c'est-à-dire amène ton côté gauche vers l'avant. Recule le buste droit, côté droit du buste, dans tes bras. Reviens. Expire, en même temps que tu expires, que tu plies ta jambe, tu places le buste en même temps, qui naturellement va reculer. Donc tu vas l'amener, amener ton côté gauche vers l'avant. Expire et plie. Côté gauche vers l'avant, bras bien tendus. Reviens. On va rester. Tends tes bras pour te donner du courage. Expire, plie ta jambe droite. Place le côté gauche vers l'avant. Étire bien les deux bras. Reste. Rends tes pointes de coude. Si tu peux, commence à regarder entre les deux mains. Laisse descendre ta tête vers l'arrière et ton regard entre tes deux mains. Respire. Regarde à l'horizontale. Tends tes deux bras. Étire tes deux côtés de buste avec tes deux bras et change de côté. Allez, place ton buste. Observe le souffle. Rends tes pointes de coude. Expire, plie ta jambe gauche. En même temps que tu plies ta jambe gauche, que tu étires tes bras vers le haut, qui emmène ton buste vers le haut, tu amènes ton côté droit vers l'avant. Et tends cette jambe. Rétire tes bras. Expire, plie ta jambe gauche. Amène le côté droit. Reviens et on va rester. Inspire tranquillement, dégage bien tes épaules, bras tendus, plie la jambe gauche. Amène le côté droit, étire les deux bras et regarde. Laisse descendre en arrière de tête, rends tes pointes de coude et regarde entre tes deux mains avec tes deux yeux. Bien ouvert, bien écarquillé. Rends tes points de coude dans la jambe arrière. Regarde à l'horizontale. Tends tes deux bras. Tends ta jambe gauche. Place tes deux pieds parallèles. Tes bras à l'horizontale. Et Tadasana. Respire, respire, respire. Respire bien. Étire bien tes bras. Roule tes épaules. Et détends. Ouvre. Observe ta cage thoracique. Inspire, monte.
Allez. De la terre vers le ciel. Allez, on s'étire, on s'étire. Observe le souffle. Et reviens. Nous allons faire Ardha Chandrasana dans le même esprit, hein, en dynamique. Inspire, expire. Le pied gauche est rentré, toute la jambe droite à droite. Expire, Uttita Trikonasana. Plie ta jambe droite, place ta main au sol, monte le bras supérieur. Reviens. Observe le souffle. Inspire, expire. Plie, allonge le bras au-dessus, le bras gauche, la main est au sol et reviens. Maintenant, on va rester dans la posture, c'est-à-dire qu'on va lever la jambe gauche. Expire, plie ta jambe droite, monte le bras supérieur, amène ton pied gauche vers ton pied droit et ta main au sol ou sur un petit support. Étends la jambe arrière. Reste. Tends le bras gauche. Tends ton bras gauche. Tends ta jambe droite. Regarde à l'horizontale et reviens. Mon petit support n'était pas idéal. Uttita Trikonasana. Et reviens. Change de côté. Respire. Observe le souffle. Pour descendre à la posture, tu vas rentrer tes deux rotules, descendre en Uttita Trikonasana, plier la jambe, poser la main au sol, monter le bras supérieur. Et reviens. Expire, main au sol, bras supérieur étiré, et reviens. Allez, on va rentrer dans la posture de Ardha Chandrasana, la demi-lune. Expire, plie la jambe droite, gauche, étire le bras droit, amène le pied droit, la main au sol, et monte. Tends la jambe levée, et tends la jambe au sol. Allez, on va rester en posture. Vous avez besoin d'un support, prenez un support stable. Montez le bras, regardez à l'horizontale. Tendez bien les deux jambes. Plie ta jambe gauche, reviens et remonte. Placez deux pieds parallèles et Tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière. Observe le souffle. Inspire, monte tes deux bras. Et laisse venir ta cage thoracique vers tes bras. Tes bras vers tes mains vers le plafond. Et les jambes très très fermes. Les plantes de pied vraiment au sol. Bien installées au sol. Les orteils détendus. Et reviens. Parivrita Trikonasana, la posture du triangle en torsion. Pour ceci, je vais me mettre face au mur pour démarrer. Hein. C'est la posture du triangle en torsion. Donc, je vais vous regarder en tournant. Je rentre mon pied gauche, je déplace toute ma jambe droite à droite. J'expire et je descends. Même principe. Et je reviens. Je stabilise mes deux jambes, mes deux pieds, mes deux bras. Expire, utilise le souffle. Descends ta main, monte le bras supérieur. Je reviens. Et là, je vais rester dans la posture du triangle en torsion. J'expire, j'allonge le côté gauche. Je place mon bras et je reviens. Et le bras supérieur. Reviens. Change de côté. Entre ton pied droit, toute ta jambe gauche à gauche. Étire bien les deux bras.
Inspire, expire, allonge le bras droit, pose la main au sol, monte le bras gauche. Expire, remonte, retire tes deux bras, tend bien tes deux jambes. Inspire, expire. Reviens, retire les deux bras, tend bien tes jambes et expire, Parivrita Trikonasana, posture de triangle en torsion, presse bien avec tes mains ou sur une brique, monte le bras supérieur et regarde à l'horizontale, sinon regarde au-dessus vers le bras levé, la main levée, respire. La hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Et reviens. Placez deux pieds et tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière, tends bien tes deux bras. Presse avec tes pieds. Inspire, monte. Étire le buste, étire les bras. Et reviens. Inspire, expire. Parjottanasana. Encore. Tourne tes bras, monte tes bras vers le plafond. Rentre tes pointes de coude, rentre tes rotules vers tes quadriceps. Remonte-les. Tourne le pied gauche vers l'intérieur. Plie ta jambe droite à droite. Place le bassin face à un mur devant toi. La hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Étire bien tes deux bras. Maintenant, tourne juste tes paumes de main. Expire et descend. Dos concave. Inspire et remonte. Ouvre ta cage thoracique. Expire et descend. Dos concave et remonte. Étire bien ton buste. Amène le côté gauche vers l'avant, comme tout à l'heure dans la posture du guerrier 1. Amène ton côté gauche vers l'avant, les bras sont tendus. Expire, allonge ton buste, place tes mains et viens mettre ton front sur ta jambe. Parjottanasana, reste. Presse le bord intérieur de ton pied droit. Presse le talon externe gauche. Hanche droite va aller vers l'arrière. Et l'hanche gauche venir rester vers l'avant. Inspire, reviens. Monte tes deux bras. Et change de côté. On va aller vers la gauche. Les bras sont très étirés. Encore un peu dégager notre cage thoracique de notre bassin, notre hanche droite vient vers l'avant, notre hanche gauche va s'en aller vers l'arrière, expire, en étirant les bras, j'étire mon buste vers l'avant, je pose mes mains au sol, je suis en dos concave, inspire, monte tes deux bras, encore, dégage bien le buste, expire, dos concave, remonte, et on va rester dans la posture. Voyez, la hanche droite veut s'en aller vers l'arrière. Constamment, je dois l'amener vers l'avant en entourant, en roulant la cuisse droite vers le haut de cuisse droite, vers l'intérieur. D'accord? Et je pousse, hein, je pousse cette hanche gauche vers l'arrière. En pressant avec mon bord intérieur de pied gauche, je pousse cette hanche gauche vers l'arrière. Et cette fois, je vais descendre pour rester dans Parjottanasana. Je passe par le dos concave et j'expire. Place ton front sur la jambe avant et détends. Respire. Sois dans tes étirements de jambes pour stabiliser la posture.
Inspire, remonte. Montez du bras. Place tes deux pieds. Place tes bras. Et reviens dans Tadasana. Observe le souffle. Observe le souffle. Laisse descendre tes épaules. Inspire, monte. Urdhvastasana. Respire. Dégage bien le ventre. Garde la pression de talons. Les deux talons se touchent. Les malléoles internes s'évitent. Les bras s'étirent. Urdhvastasana. Et reviens. Roule tes épaules vers l'arrière. Et observe le souffle. Cette fois, nous allons faire Adho Mukha Svanasana. Place tes mains sur le tapis. Recule tes deux pieds. Place tes talons sur le sol. Relâche la nuque et la tête. Si tu as besoin, attrape ton tapis. Mange ton tapis avec tes mains pour bien laisser descendre cette nuque et sa tête et surtout étirer le buste. Ajuste tes pieds, pose tes talons si tu peux, laisse descendre ta nuque et ta tête. Tends tes jambes, étends tes bras. Allez, sois dans tes poils de coude que tu rentres, pour avoir des bras très très étirés. Laisse descendre ta tête si tu peux au sol. Et reste. Ce que tu vas faire, tu vas regarder vers l'avant, tu vas dégager tes épaules, et expire, descends la tête. Si tu peux, descends la tête au sol. Encore une fois, attrape bien ton tapis, c'est une aide, ça, la tape et le tapis. Regarde vers l'avant, dégage tes épaules, et expire, monte tes pointes de fesses. Laisse descendre ta tête sur le tapis. Tends tes bras. Tends bien tes bras. Laisse descendre tes talons. Et reviens. Tu vas marcher vers tes pieds. Marche vers tes pieds. Laisse descendre les talons. Et croise tes bras et relâche. Uttanasana, bras croisés. Laisse descendre tes coudes vers le sol. Maintenant, expire, étire les bras loin de tes coudes, loin de tes aisselles, et expire, descends. Encore une fois, attrape bien tes coudes avec tes pouces. Laisse descendre. Maintenant, expire, pousse tes coudes loin de tes aisselles, et les coudes loin de tes hanches, et expire, descend. Laisse descendre tes coudes vers le sol maintenant, et reste. Rotule remontée, et reste. Uttanasana, bras croisés, reste. Observe le souffle. Bien, en gardant les jambes très très fermes parce que tu as les rotules qui remontent. Avec l'énergie de tes pouces contre tes coudes, inspire et reviens. Relâche tes bras. Et Tadasana. Regarde à l'horizontale, laisse tes fesses descendre. Ton coccyx aller vers ton pubis et relâche. Observe le souffle. Bien. Tu vas utiliser une couverture pour t'asseoir en Vajrasana. Sors tes mollets. Avec tes doigts, viens chercher la racine de ton mollet que tu emmènes vers l'extérieur, à droite comme à gauche.
pour être assis vraiment, ou pour ouvrir l'arrière de tes genoux. Vajrasana, ferme tes yeux, observe le souffle. Donc, bien le cerveau. Relâche tes oreilles. Détends bien tes mâchoires. La langue vers le palais inférieur. Pousse ton sommet de tête vers le plafond pour dégager tes épaules. Dégage bien tes épaules. En pressant, en poussant tes coudes vers le sol, dégage tes épaules. Puis nous allons faire Gom Mukhasana. Donc tu vas descendre ton bras droit, amener ta main droite entre tes deux omoplates, et monter ton bras gauche et attraper tes deux mains. Allez, vous allez pousser ce coude gauche vers la, pardon, ton coude droit vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière, et vers le sol. Et vous allez respirer avec votre côté de cage thoracique droite. En même temps que vous faites ce mouvement, en même temps que vous poussez cette tête d'épaule droite vers l'arrière, que vous descendez l'épaule droite vers le sol, que vous poussez le coude droit vers le sol. Vous allez amener l'intérieur, ça c'est le même mouvement parallèlement, vous amenez l'intérieur de ce bras droit vers la caméra. Puis, pour le coude gauche, je monte toujours en miroir évidemment, vous étirez ce coude gauche vers le plafond. Vous amenez l'intérieur du bras gauche vers l'arrière. Et vous rapprochez ce coude gauche de la tête. Et là, on ne va pas parler des côtes de la respiration à gauche, puisque la cage thoracique est très ouverte. Donc, Ahimsa, la non-violence, il n'y a pas besoin d'aller chercher à gauche, la cage thoracique est ouverte. Par contre, à droite, il y a besoin d'aller chercher une respiration plus ample, plus généreuse, parce que la posture ne la donne pas, cette respiration à droite. Et relâche. Détends bien les bras. Ferme tes yeux, observe le souffle. Observe le souffle côté droit. Observe le souffle côté gauche. Et observe la différence entre les deux. Bien, on change de côté. Descends, viens chercher. Descends ton coude gauche. Monte ta main gauche entre tes deux omoplates le plus haut possible. Pousse cette épaule gauche vers l'arrière. Ce sont des postures qui font du bien aux épaules. Même si on les trouve un peu difficiles, pour les épaules, elles font du bien, elles ouvrent les clavicules. Et en poussant la tête d'épaule gauche vers l'arrière, en pressant avec notre main gauche contre la colonne dorsale, vous allez sentir la liberté dans les épaules, la liberté dans le haut de cage thoracique, dans la ceinture scapulaire. Donc vous pressez cette dos de main contre la colonne dorsale gauche et vous allez poussez les coudes gauche vers l'arrière et vers le sol. Et là, vous allez observer le souffle à gauche. Observez le souffle à gauche. Gardez la tête dans l'axe. Vous avez vu, on a une tendance à tourner même le regard vers la gauche. Non, restez dans l'axe. Juste observe le souffle à gauche. Observe ta cage thoracique qui ne veut pas s'ouvrir. Allez, observe et tu vas l'ouvrir. À l'inspiration, tu ouvres la cage thoracique à gauche. Maintenant, nous allons monter le bras droit. Monte ce bras droit.
Pousse le coude droit interne vers l'arrière et viens attacher tes doigts. Attrape tous tes doigts en cercle. Si tu peux, ceci. Un maillon. Allez. Respire. L'intérieur de ton bras droit vers l'arrière. Le coude droit vers le plafond. Et observe le souffle. Des deux côtés, droite comme gauche. Gomukhasana dans la posture de Vajrasana. Vajrasana qui détend les jambes. Posture assise après les postures debout. Observe le souffle. Et doucement relâche. Pose tes mains sur tes cuisses et observe. Roule tes épaules vers l'arrière. Tu peux fermer tes yeux. Observe le souffle. Donc, vous allez faire Shirshasana. Vous allez monter dans la posture du... sur la tête. Donc, c'est comme selon vos possibilités, selon votre niveau. Soit vous faites la posture sur la tête maintenant, soit nous allons faire la préparation comme on a l'habitude de faire dans ce niveau 1. Donc, on fait une préparation de Shirshasana. Vous allez placer vos avant-bras sur le sol, à la largeur de vos épaules. Les mains donc sont sur les... Vous placez vos coudes et vous montez vos avant-bras, touchez vos épaules, vous allongez ces avant-bras. Poignets pressent le sol, croisez vos doigts, pressez vos pouces l'un vers l'autre. En expirant, vous allez poser le sommet de tête sur le tapis, étendre vos jambes, un petit peu comme Adho Mukha Svanasana on vient de faire, mais en pressant les avant-bras. Pressez bien vos avant-bras sur le sol. Marchez, faites monter le buste comme si vous vouliez placer vos hanches au-dessus de vos épaules. Quand les pieds se soulèvent, vous revenez. Encore une fois, respirez, pressez les avant-bras. En pressant vos avant-bras sur le tapis, vous ne risquez rien avec votre tête. C'est ça la préparation de Shirshasana. On presse nos avant-bras, on remonte nos biceps vers les aisselles, place le sommet de tête, tend tes jambes, marche, monte tes épaules vers le plafond, presse les avant-bras, marche, doucement, presse les avant-bras, monte tes épaules au plafond, marche, encore, presse les avant-bras, marche, monte tes épaules au plafond et reviens. Les autres élèves qui ont l'habitude de Shirshasana, vous êtes montés en Shirshasana, restez, ajustez bien votre Shirshasana, montez vos épaules, vous aussi pressez vos avant-bras. Faites la préparation en même temps, en pressant vos avant-bras, en montant vos épaules. En faisant monter les biceps vers le plafond, les triceps vers les coudes. Nos préparatifs, les personnes qui préparent Shirshasana, on va refaire encore une fois. Cette fois, on va monter une jambe, on va monter l'autre. Donc, vous pressez vos avant-bras, tout est là dans Shirshasana. Vous pressez les avant-bras pour éviter... la pression sur la nuque et sur la tête. Donc on presse nos avant-bras, place notre tête contre les paumes de main. Je tends mes jambes, je marche avec mes pieds et en expirant, je vais monter une jambe jusqu'à ce que mon autre pied se soulève. Je monte une jambe. Je reviens. Je reprends ma presse de mes avant-bras, mes épaules qui montent, et je vais monter l'autre jambe.
Cette jambe qui monte, je la tourne vers l'intérieur, comme si je voulais soulever l'autre, mais je ne le fais pas, et je reviens. À deux, mon Kasanasana. Restez dans la posture, ceux qui sont dans Shirshasana. Mes élèves débutants dans la posture sur la tête, à deux, mon Kasanasana. Attrapez votre tapis. Relâchez la nuque et la tête. Laissez descendre. Tendez vos jambes. Expirez. Comme si vous vouliez, vous pouvez plier vos deux jambes, poser le sommet de tête et tendez vos jambes et revenez. Restez là. Shirshasana, restez en posture. Il faut au moins rester 5 minutes pour que la posture soit bénéfique, que les liquides hein, descendent, vraiment qu'il y ait un changement vraiment une inversion. Autres personnes, les élèves débutants, vous placez vos deux pieds au bord de votre tapis. Hein, et tirez vos deux bras. Tendez bien vos deux jambes, tendez vos deux bras. Alors, rentrez votre coccyx, expirez. Placez vos mains sous vos épaules. Regardez vers l'avant. Je vous montrerai le profil. Remontez bien vos malléoles internes vers l'intérieur du genou. Pressez le bas extérieur de vos pieds. Expirez. Hein. Placez vos mains sous vos épaules. Restez. Tendez bien vos deux jambes. Laissez le buste s'étirer. Hein. La cage thoracique s'éloigner du bassin. Regardez vers l'avant. Les personnes hein, qui peuvent descendre la tête au sol, descendez la tête au sol. Tête au sol, attrapez vos chevilles. Respirez. Bien, maintenant revenez tout le monde. Vous allez, hein, les personnes qui sont montées. Replacez vos mains. Les personnes qui sont montées en Shirshasana, vous pouvez redescendre. Vous redescendez comme vous êtes monté, soit les deux jambes pliées, soit une jambe puis l'autre, soit les deux jambes tendues. Les personnes qui sont en Prasarita Padottanasana, remontez le buste, rapprochez vos talons, les orteils et les talons, et Tadasana. Roulez vos épaules vers l'arrière, Tadasana. Maintenant tout le monde, Yoga Mudrasana. Écartez vos genoux. Étirez. Étirez votre buste. Et descendez. Placez les mains et posez le front. Encore, étirez bien les deux bras vers l'avant. Les mains marchent, le front est posé au sol. Reculez vos fessiers sur vos talons, relâchez bien la nuque et la tête. Nous allons tourner à droite. Glissez le bras gauche et descendez la tête, l'oreille gauche au sol. Allongez le bras gauche vers la droite et laissez descendre l'oreille gauche au sol. Pressez avec la main droite. Revenez. Changez. Réétirez bien dans l'axe et changez. Glissez le bras droit, déposez l'oreille droite au sol. Si vous pouvez, sinon on peut prendre un petit support, mais laissez. Soyez tranquille avec cette posture de récupération de Shirshasana. Étirez le bras gauche, étirez le bras droit. Encore une fois, rétirez dans l'axe, posez le front. Glissez le bras gauche, pressez avec votre main droite
Et comme si vous vouliez tourner. Hein? Allez, tournez, hein? Pliez le coude droit et tournez. Laissez glisser ce bras gauche vers la droite. Pressez avec votre main droite et tournez. Revenez, tendez les deux bras de l'autre côté. Glissez le bras droit, pressez avec votre main gauche et tournez. Expire et tourne. Juste le haut du buste. Expire et tourne. Reviens au centre. Rétire les deux bras. Presse avec tes deux mains et remonte. Bien, on va s'installer dans Savankasana. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, pour les élèves débutants, vous pouvez prendre un support sous vos pieds. Pour mettre vos pieds. Sinon, les autres élèves, allez-y, Savankasana. Prenez vos deux, trois, quatre couvertures, ce que vous avez sous la main. Hein. En attendant que le Père Noël vous apporte votre matériel complet. Une sangle de la largeur de vos épaules. Voilà. Okay. Une chaise. Pour les débutants, une chaise. Je mesure où je vais mettre ma chaise. Je vais mettre mes hanches ici parce que je vais mettre mes épaules. Mes hanches sont là parce que mes épaules vont être au niveau de mes hanches. Donc je vais avoir mes pieds sur la chaise. Je place une sangle sur un de mes bras. Je place mes épaules sur les couvertures. À trois doigts du bord de couverture, il faut bien allonger votre nuque. Allongez votre nuque, puis ensuite vous allez presser avec vos mains et monter en Savankasana. Alors, pour mes élèves débutants, placez votre deuxième bras dans la sangle et tendez vos jambes. Respirez. Tendez vos jambes, les pieds sont sur la chaise. Pour les autres pratiquants, montez. Soit une jambe puis l'autre, soit les deux jambes en même temps. Maintenant, ce que vous allez faire, les élèves qui démarrent cette posture, vous allez ramener la sangle sur vos poignets et avec l'étirement de vos bras encore, vous tournez l'autre de vos bras vers le plafond, les paumes de main face au plafond. Allez, encore. Comme si vous vouliez casser cette sangle, vous roulez vos épaules vers la couverture, tendez vos mains, paumes de main face au plafond, haut du bras, au plafond, haut du bras au plafond, extérieur, intérieur du bras au plafond, extérieur vers le sol. Je reprends, intérieur du bras au plafond, extérieur vers le sol. Puis avec ce mouvement que vous avez fait dans vos bras, vous placez vos mains sur votre dos et vous montez une jambe. Tendez cette jambe gauche, par exemple, et tendez cette jambe droite vers le plafond. Savankasana. Laissez descendre vos mains vers le sol. Voilà, si ça vous semble difficile, pas de souci, vous redescendez une jambe et vous redescendez l'autre. Faites ce mouvement plusieurs fois. Si vous êtes bien dans la posture de la chandelle, Savankasana, vous montez vos jambes, vous montez l'autre, et où vous restez. Restez dans la posture. Observe le souffle. Observe la poitrine.
Descends constamment tes mains qui veulent se monter vers le plafond. Descends tes mains vers le sol, dans tes jambes. Amène ton haut de cuisse de l'extérieur vers l'intérieur, à droite comme à gauche. Dans tes jambes, ouvre tes pieds. Pousse tes boules d'orteils vers le plafond. Si tu es fatigué, descends de jambes sur ta chaise et descends dans l'autre. Les élèves débutants, ce que vous allez faire, vous allez doucement plier vos deux jambes, attraper votre tapis et descendre doucement en contrôlant. Restez, les élèves qui ont l'habitude de cette posture, salon Bassavangasana, restez encore dans la posture. Là encore, il faut que le liquide ait le temps de descendre, hein, vers les poumons, vers la gorge, vers la tête, qui est vraiment l'action de posture inversée. Donc il vous faut 5 minutes dans les postures inversées chacune. 5 minutes en Shirshasana, 5 minutes en Sarvangasana. Les élèves qui sont débutants, vous allez tourner sur le, une fois que vous avez glissé vers l'arrière, les épaules au sol, vous allez revenir, vous asseoir sur vos supports, croisez vos deux jambes et vous étirez vers l'avant. Posez le front et respirez. Observe le souffle. Change le croisement de tes deux jambes et change le croisement de tes bras. Et vous allez, tout le monde va revenir de cette posture. Vous allez, les personnes qui sont en Salamba Sarvangasana, vous allez descendre doucement. Là, c'est pareil. Descendez une jambe, puis l'autre, ou bien les deux jambes. Et on va tous faire Jatara Parivartasana. Regardez voir. Bien sûr, hein, vous glissez vers l'arrière, vous attendez un petit moment, récupérez. Et vous allez faire Jatara Parivartasana tout le temps. Avec, d'abord en statique, puis ensuite en dynamique. Donc, vous allez plier vos deux jambes, tendre les bras vers l'arrière, amener les genoux, hein, tout en angle droit, les pieds, les jambes, les cuisses, hein, par rapport à votre buste, l'angle droit. Cuisse, jambes, pieds. Placez vos mains sur le sol. Et en expirant, vous allez glisser vers la droite. Je montre en miroir, je vais vers ma gauche, mais allez vers la droite. Posez les pieds, posez les genoux. Et vous allez tourner la tête vers la gauche. Maintenant, observez vos genoux. Si vous avez un genou qui va vers l'avant et l'autre qui recule, vous allez amener la hanche du genou qui recule vers le genou. Et observe, tourne. Reviens au centre. Rétire tes deux bras. Place tes pieds, place tes jambes. Place tes genoux, place tes cuisses. Expire, descends à gauche. Amène ce genou droit vers
le genou gauche. Ne le laisse pas s'en aller vers l'arrière. Ajuste tes deux genoux. Droite-gauche. Ajusté. Donc, c'est la hanche hein, qui vient vers le genou. Hanche droite vient vers le genou droit. L'épaule droite veut rester au sol. Et je peux tourner la tête vers la droite. Détends bien la gorge, le visage. Respire. Jatara Parivartasana en statique. Reviens au centre. Replace tes cuisses, tes jambes, tes pieds. Et on va faire un dhidana. Tu peux attraper tes bords de tapis. Hein. Dégage bien tes omoplates. Hein. Dégage-les loin de tes épaules. Expire, descend. À droite. À gauche. Au centre. À droite. Au centre. À gauche. Au centre. À droite. Au centre, à gauche. Allez. 5-6 fois à droite, 5-6 fois à gauche. Expire et descend. Expire et descend. Expire et descend. Expire et descend. Reviens au centre. Tends tes jambes. Tends tes bras. Urdhva Prasarita à 90 degrés. Tends bien tes deux jambes. Rotule remontée. Bras étirés. Rends tes coins de coude. Relâche bien le ventre vers le bas du dos. Doucement, amène tes pieds vers le visage. Ça va descendre. Ton bas du dos vers le tapis, attrape tes pieds, tends tes jambes, tends tes bras. Vois ce que tu peux faire. Si tu as besoin d'une sangle pour toucher tes pieds, prends une sangle. Doucement, laisse descendre les pieds vers le visage. Laisse descendre les pieds vers le visage. Laisse descendre les fesses vers le sol. Ça va étirer toute ta colonne vertébrale qui t'écoute. Allez, plus tu descends tes pieds vers ton visage, plus tu descends tes fessiers vers le sol. Tends tes jambes, plie tes deux jambes, reviens. Tends tes deux jambes, plie la jambe droite, croisez tous tes doigts et Kapada Pavanamantasana. Relâche bien le pied droit, expire, laisse descendre le genou vers le sol, vers la poitrine. Descends ton genou droit vers ta poitrine droite, tends ta jambe gauche, respire. La nuque, hein, étire bien ta base de crâne. Laisse descendre ta base de crâne sur le tapis. Allonge ta nuque avec ce mouvement. Et relâche. Change le croisement de tes doigts. Et Kapada Pavanamuktasana gauche. Expire, descends le genou gauche vers la poitrine gauche. Relâche le pied gauche et tends ta jambe droite. Laisse descendre la cuisse droite, le genou droit, le bord intérieur de ton pied droit, loin de ton bassin. Et relâche. Retire tes deux bras. Tends tes deux jambes. Et reviens. Tourne sur le côté. Presse avec tes deux mains. Et tu vas t'installer en Shavasana. Ce que tu vas faire pour ton Shavasana,
Tu vas prendre un rouleau que tu vas placer sous tes cuisses. Tu fais ton petit rouleau. Tu le places sur le haut de tes cuisses. Tu presses avec tes deux pieds. Tu presses avec tes deux mains. Tu tires bien ton buste. Une petite couverture sous le coude et ta tête. Bien aussi. Donc ça, ta nuque est détendue. Voilà, je place bien ce rouleau sous le haut de mes cuisses. Je me place au centre. J'étire mon buste très très fort. En pliant mes bras, j'étire mon buste. Je pose mon bas du dos sur le tapis. J'ajuste ma couverture de tête et je tends mes jambes à droite, je tends mes jambes à gauche. Et si je sens que mon petit rouleau est trop loin, je l'emmène vers mes arrière-cuisses très très hautes. Ce que vous allez faire, vous allez plier vos coudes, placer les doigts vers le plafond. Et en pressant sur vos coudes, vous allez rouler vos épaules vers l'arrière et surtout descendre vos omoplates et poser les omoplates sur le sol, vers le bassin, et tendre vos avant-bras. Les gros orteils vont descendre vers les petits orteils. Le ventre va se détendre. Allongez votre nuque aussi. Ne laissez pas la nuque se rétrécir. Allongez-la en poussant la base du crâne loin des épaules. Et bien sûr, si vous êtes bien installé, fermez vos yeux. Je vais vous guider dans votre Shavasana. Fermez vos yeux, détendez le visage. Bien sûr, si vous avez frais, couvrez-vous dans Shavasana. Détendez le visage. C'était une série de postures dynamiques. Dynamisme aussi, par moment, dans le yoga, apporte quelque chose de cette vie dans le Shavasana. On a un Shavasana beaucoup plus lumineux, plus léger. Donc, observez ça. Le Shavasana n'est pas le même, hein, qu'il soit selon la pratique. Le Shavasana est différent. Là, comme les postures étaient en façon dynamique, il y a une légèreté du corps. Il y a eu un nettoyage plus vif, peut-être, plus fort. Observez ça. L'observer à travers le souffle. Relâchez les mâchoires. Relâchez la bouche, lèvre supérieur, lèvre inférieure. Laissez aussi descendre la langue. Relâchez l'intérieur de la bouche. Relâchez bien vos yeux.
Relâchez vos oreilles. Détendez la peau du visage, toute la peau du visage très très détendue, qui respire. Respirez aussi avec votre peau. La peau du front, la peau du joue, la peau des pommettes, la peau des tempes. Observez. Là, tout doucement. Vous allez prendre une respiration plus profonde. Puis vous allez tourner sur le côté droit. Vous allez rester, bras droit au sol, oreille droite sur le bras droit. Le bras gauche sur la hanche gauche. Attendez, laissez descendre le côté gauche vers le côté droit. Puis tranquillement, vous allez presser votre main gauche, puis vous allez presser votre main droite pour revenir un buste parallèle au sol. Vous venez vous mettre en position assise, comme vous voulez, Sukhasana. Vajrasana comme tout à l'heure. Nous, on va se remercier. Amenez vos mains devant la poitrine. Atmanjali Mudra. Salut Indien. Expire. Et vous vous remerciez. Vous vous remerciez pour votre pratique, cette pratique dynamique. Nous allons remercier Bekasa Langar qui nous apporte la lumière du yoga. Et je vous remercie pour votre présence. Relâchez les mains sur les genoux. Relève la tête. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.